je serai capable de tous les manger. Je pense. Aujourd'hui, c'est check-up complet, les amis. On prend soin de sa santé avant les compétitions, après les compétitions. Voilà, on check tout ça. De sang effectué, donc c'est toujours check-up complet après les compètes avant de recommencer une nouvelle compète. En gros, j'essaye d'en faire 3-4 par an, ça dépend. Quand, quand vous êtes sportif de haut niveau, faut vraiment faire des check-up complets. Vraiment, même à la limite, même si vous n'êtes pas sportif, de le faire une fois par an, c'est toujours vraiment intéressant de savoir où c'est qu'on en est au niveau de tout. Hein, et donc, pour être en meilleure santé possible. Ben, comme quand on fait des prises de sang, il faut être à jeun. Là, je commence à avoir super faim. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller goûter les meilleurs donuts de tout Miami. Vous allez voir, c'est Krispy Kreme. C'est un truc de malade. Allez, c'est parti, on va se régaler. $14 pour deux blocs. Bon, on va en donner. Ah, parce que ça va faire un peu beaucoup. Ça fait beaucoup, bon, on va en distribuer. Après, c'est l'agda. Hein? Ouais, heureusement. Ça, c'est les originaux, ils sont tout chauds, ils sont super chauds, ils viennent juste de sortir de la prépa là. C'est une tuerie. Je suppose que tu dois en goûter. Bon, ça c'est les originaux. Et ça, c'est les... Putain. Je serai capable de tous les manger. Je pense. Bon, là, ça y est, j'en peux plus. On en a mangé. Donc, il y en avait 24, 2 x 12. Et là, il en reste
1, 2, 3, 4, 5, 6, et après les moitiés, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai mangé 11 et chaque donut c'est 400 calories environ. Donc rien qu'au petit déjeuner, là j'ai dépassé les 4000 calories. Donc là il va falloir une grosse séance de jambes. Et puis on attaque la prépa samedi. Donc après c'est terminé tout ça. Donc voilà, là j'en peux plus. J'aurais pu faire un challenge, mais allez, juste pour le challenge, un dernier pour la route. Ils sont moins chauds. Vous comprenez maintenant pourquoi les Américains sont obèses? Oh, ce temps de merde. Bon, après les donuts là, je vous avoue, j'ai vraiment envie de dormir. Mais là, pas le choix. Séance de cuisse, on va essayer. Bon, pas d'éliminer tout parce que c'est clair que 4000 calories, on va pas les éliminer en une seule séance, mais le max. Bon, l'avantage quand il pleut, c'est qu'il fait chaud quand même.
Bon, j'étais parti pour rentrer, mais le destin a décidé autrement. Pour éliminer ces donuts, pas le choix que de continuer le cardio avec l'averse tropicale de maintenant. Allez, ça va prendre. Bon, après cette grosse séance de jambes, on a trouvé un petit resto italien. Hello. My name is Adam. I just got one of my wallet. No, not yet. Okay. Just a couple of minutes. Thank you. Thank you. Bon, alors on va choisir directement sur le petit écran là, c'est sympa. C'est une chaîne de resto qui s'appelle Olive Garden, c'est ça? Kid Meal. Ça c'est pour moi. Oula. Tu veux un appetizer? Hein? Ben moi je voudrais bien les mushrooms, les champignons. Il y a plein de trucs qui disent. Genre, rien que leurs entrées, ça, c'est des plats complets quoi. Donc, bon, après les donuts, on va faire qu'un seul plat. Parce que. Bon, c'est mon dernier jour, alors je mange tout ce que j'ai envie. Comme ça, après, j'ai plus d'envie en général. Pendant presque 3 mois, hein, c'est vrai. En général. Les quelques derniers jours avant de commencer une prépa, je mange tout ce que je veux, sans me rendre malade bien sûr, mais au moins après, je sais que hop, je suis parti pour mes 12 semaines de prépa. Sur les 12 semaines, ça peut m'arriver de faire des recharges, mais c'est vraiment léger. Donc quand je me suis bien fait plaisir avant, après je suis parti, et je suis ultra motivé et j'ai peu d'envie. Donc aujourd'hui, dernier jour. Bon, ben heureusement qu'on n'a pas pris d'entrée, hein, parce que en fait, avec chaque plat, on a une salade et une soupe. Donc. Tant te dire que moi, avec la soupe. Moi, juste avec la soupe et la salade, déjà, t'auras plus faim. Hein. Donc, on a bien fait de pas prendre. Ça va nous faire du bien. Ça va nous nettoyer. Thank you. Bon alors, et ce que j'ai choisi, ça s'appelle, tu te rappelles? C'est du poulet avec des pâtes chicken Alfredo, des lasagnes. Ah mais t'as trois plats en un. Ah oui d'accord. C'est Tour of Italy. Plus la ouais, aux États-Unis. Et toi? Moi j'ai pris des raviolis, champignons, quelque chose. Bon, ben comme d'habitude, on va partager, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Les desserts arrivent. Tadam. Il y a une mousse au chocolat, panna cotta. Alors comme je ne savais pas me décider, j'ai pris un petit peu de chaque. Comme d'habitude. Mousse au chocolat. Ça c'est quoi? Crumble pomme. Ça. Ça doit être... C'est au caramel. Tiramisu. Panna cotta fraise. Et là, c'est un truc au... Aux abricots. Citron. Ah, citron. Je crois. Bah, qui n'aime pas. Bon, on va goûter tout ça. Je commence par chocolat. Pas mal. Tu vas vouloir en goûter? Bah oui. Il manque que la glace. Mail, print. C'est énorme.
J'aurais pu y aller délicatement quand même. Et puis comme vous le savez, je suis un grand fan de Ben & Jerry's. Donc là, ce soir, je mange pas, mais ce sera que du dessert sucré. Chunky Monkey aujourd'hui, que j'ai mis déjà là-dedans. Et je vais ajouter avec des petits M&M's et des M&M's verts crispy. Et ma barre favorite, Oreo, tout ça que je vais mélanger dans ma glace. C'est tous mes gros, mes petits péchés mignons ou mes gros péchés mignons comme vous voulez. Au moins, voilà, j'en aurai plus envie jusqu'à pendant toute ma prépa. Donc dernier cheat meal, dernier gros cheat meal. Peut-être qu'il y aura des petites recharges pendant la prépa selon. Selon comment j'évoluerai, mais en tout cas, à quoi ça ressemble, il manque la petite barre Oreo, sympa. Donc là, à titre d'exemple, donc là, la Ben & Jerry's, en gros, elle fait 1500 calories, un paquet entier de M&M, c'est 250, donc là, du coup, on est à... Avec les deux paquets et la Ben & Jerry, on est déjà à 2000 calories, plus la barre 230. Donc voilà, on est quasiment à 2500 calories, juste pour ça. Donc vous voyez que ça va super vite, juste un petit dessert à 2500 calories. Je savoure mes quelques derniers... mes quelques dernières friandises favorites avant d'attaquer demain super sérieusement ma nouvelle prépa. Alors oui, j'avais dit que la saison était finie, mais la saison se termine avec Olympia, et Olympia c'est mi-septembre, donc ça veut dire qu'après mi-septembre, après Olympia 2017, c'est une nouvelle saison qui recommence. Et donc la nouvelle saison, on va tenter au maximum le plus possible de se qualifier pour Olympia 2018. Donc je vous le rappelle, pour se qualifier à Mister Olympia, il faut finir premier d'une compétition pro ou finir dans le top 5 et gagner des points et enchaîner les compétitions. Mais bon, le problème c'est qu'il y a de plus en plus de compétiteurs qui enchaînent, des pros qui enchaînent les compètes, qui enchaînent, et du coup c'est très très dur d'accumuler des points. Parce que je crois que dans les premiers, en gros, ils ont dans les 16 points, tout comme ça. Sachant que quand on est second d'une compétition, on gagne, je crois, 4 points. Donc voilà, vous vous rendez compte combien de compétitions pro il faut enchaîner et gagner, ou être dans le top 5 pour pouvoir se qualifier à l'Olympia. Donc c'est vraiment très 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 dur. Donc le plus simple, entre guillemets, c'est de finir premier d'une compétition pro. Donc voilà, il n'y a pas trop le choix d'enchaîner. Et donc la prochaine compétition, ça sera pour moi le Ferrigno Legacy qui aura lieu en novembre. Donc en Californie, dans le désert. C'est la compétition qui est organisée par le célèbre Lou Ferrigno, le célèbre Hulk. Donc c'est une compétition qui promet d'être vraiment énorme. Et on a décidé tous les deux avec mon pote Stan Imol de la faire, lui donc dans sa catégorie classique physique et moi en maths physique. Donc ça va être vraiment un truc de malade. On va essayer de se retrouver, disons, peut-être 15 jours avant la compétition pour essayer de vous faire des vidéos d'entraînement, des vidéos vlog, de lifestyle, puis sur la compétition pareil aussi. Voilà, donc ça va être une expérience de malade à partager avec vous. Donc je me réjouis d'avance de partager tout ça. Ça va être vraiment une aventure exceptionnelle. Et on va tout faire pour se qualifier pour Olympia. Donc voilà. Le but, ça va être d'améliorer ses points faibles. Donc c'est-à-dire, moi c'était surtout épaisseur du dos, un petit peu bas du dos, un petit peu haut des pecs, et surtout la sèche. Donc le volume est là. Donc j'ai pas besoin de faire de prise de masse.
inutile pour moi, ça va me faire perdre du temps. Donc autant travailler sur vraiment de la qualité et vraiment travailler sur la sèche. Donc cette fois-ci, je m'y prends 12 semaines à l'avance et je commence demain super sérieusement en calculant vraiment tout avec précision, mes calories de sèche, mes macros. Et bien sûr, je vous partagerai tout ça donc, sur ma chaîne. Voilà, au maximum pour vous faire vivre cette expérience avec moi le plus possible. Et puis je vous remercie en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, parce que c'est grâce à vous aussi que je continue à partager ma passion avec vous. Et donc c'est vous qui me motivez aussi en retour. Donc voilà, je vous remercie encore mille fois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs ou dans les prochaines vidéos, le format de vidéo que vous aimez, tout ça. Donc voilà, dites-moi tout ça. Et puis je vous dis à très vite pour Retour Olympia, les amis. Bye.